Mesdames et messieurs, nous venons d'atteindre notre vitesse de croisière. Le service va commencer. Nos hôtesses de l'air se préparent et arrivent dans un instant. Elles sont également interprètes puisque, ne l'oubliez pas, notre première destination est Bombay. Down, 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 down
Nous avons débuté en septembre dans l'Oise, en octobre dans l'Aisne et nous avons terminé par la Somme le mois dernier. Nous tenons à remercier particulièrement deux membres de notre association Mode Élégance qui sont Éric Montès et Julie Legrand qui est en coulisses pour tout le travail fourni durant toute cette aventure. Merci de les applaudir.
Donc aujourd'hui, nous voilà réunis pour la grande finale régionale Miss Excellence Picardie à la faïencerie de Trèves. Cet après-midi, 17 candidates issues des trois galas départementaux vont donc rivaliser de charme et d'élégance pour que l'une d'entre elles, choisie par vous, représente la Picardie à l'élection nationale qui aura lieu donc à Toulouse le 18 janvier prochain. Nous avons pu réaliser ce défi d'organiser cette élection grâce à la bienveillance et la compréhension du maire de Creil, M. Jean-Claude Villemain, qui nous a accordé cette magnifique salle, la manufacture du théâtre de la faïencerie. Je vous demande de l'applaudir. Pour ouvrir cette finale régionale, nous allons demander à Pascal de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Sous les applaudissements. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal, donc c'est sûrement une première pour vous d'ouvrir ce genre de gala? Pas du tout. Ah bon? Comme vous le savez, je suis membre du jury dans plein d'élections, donc ce n'est pas ma première élection. Comme lesquelles par exemple? Miss Côte d'Opale, entre autres. Donc vous avez l'habitude d'être parmi ce monde de Miss, et c'est pour cela que nous allons vous demander d'ouvrir officiellement cette élection. Très bien. Comment ça va tout le monde, tout d'abord? Alors, sachez qu'elles ont le trac. Donc ce que je vous demande, c'est de les encourager, de les applaudir vraiment. On a besoin de cette ambiance. Elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes. Que la meilleure gagne. Je vous souhaite à toutes bonne chance. Merci d'être présents. La salle est bondée. Je suis ravi de voir que tous les gens de Creil se sont mobilisés pour cette élection. Je voulais prendre quelques secondes pour appeler quatre jeunes filles qui sont juste là présentes. Si vous voulez me rejoindre, s'il vous plaît. Assez rapidement, les filles, même si on est en talent. Le côté autoritaire, vous avez vu, ça marche toujours. On peut les applaudir, bien sûr. Donc nous avons Miss Excellence Artois et nos les Dauphines, quatrième Dauphine, Miss Excellence et bien sûr. Voilà, on peut les applaudir toutes les quatre, elles ont été élues il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez faire un petit aller-retour? Allez, go. Allez, les filles. Merci beaucoup. Ils sont pas trébuchés. Bien, donc je déclare officiellement ouverte l'élection de Miss Excellence Picardie. Bon spectacle à vous, merci beaucoup. Donc le comité national a changé de dénomination l'an dernier, en passant donc du prestige à l'excellence. Nous choisirons aujourd'hui la première Miss Excellence Picardie, qui succédera à la dernière Miss Prestige Picardie en titre, Léana Saugé. Avant de vous présenter Léana, je vous demande d'admirer le... Avant de vous présenter Léana, qui a pu participer à tous les shows durant les départementales, elle a participé aussi à l'organisation, elle nous a aidés comme elle pouvait pour apporter son aide. Et donc, nous allons maintenant diffuser son clip vidéo pour résumer ses grands moments durant ces deux années de règne. Thank you.
Je m'appelle Léana Saugé, j'ai 20 ans et j'ai été élue le 12 novembre dernier à Saint-Quentin. Je suis actuellement en troisième année d'une licence italien et anglais en culture étrangère afin de devenir hôtesse de l'air. Je pratique la danse classique depuis mes 3 ans. Être Miss Prestige Nationale serait pour moi un honneur. Je voudrais vous représenter dignement et aller à la rencontre de toutes ces belles régions de France et d'outre-mer. Alors je compte sur vous pour me laisser m'envoler vers cette belle destination de Miss Prestige Nationale. De chaque instant. J'ai eu la chance d'avoir 2 ans de règne et pas 1 an, comme la plupart. Donc vraiment, j'en ai profité, mais c'est encore trop tôt. Merci beaucoup. Donc depuis ton élection, Léana, tu es devenue hôtesse de l'air pour la compagnie nationale. C'est toi qui as enregistré toutes les liaisons donc sonores que nous entendrons durant le spectacle, c'est bien ça? Exactement. Voilà, même pendant mes jours de repos, vous me faites travailler. Et c'est grâce à elle qu'on voyage aussi, parce qu'elle nous répond à des endroits improbables, elle est dans tout le monde entier, donc c'est grâce à elle aussi ce thème du voyage. Léana, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Alors oui, j'aimerais beaucoup vous raconter mon aventure. Donc mon aventure, elle a été un peu particulière parce que je n'avais jamais pensé à m'inscrire à un concours de Miss. Et quelqu'un ici, dont je tairai le nom, m'a inscrite
Alors voilà, je suis arrivée et même si voilà, ce n'était pas dans mes intentions, j'ai voulu faire les choses en m'appliquant, j'ai essayé d'être le plus sérieuse possible pendant les répétitions. Et voilà, c'est vrai que même si je n'avais pas d'esprit de compétition, quand j'ai vu l'écharpe le soir des répétitions, je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai profité sur scène, j'ai rigolé, j'ai dansé et ça a marché. Il y a d'abord eu l'annonce des dauphines, je me suis dit peut-être que j'y serai, mais non, donc tant pis, l'aventure s'arrête là pour moi. Mais non, l'annonce de la Miss élue, la candidate numéro 7, et je n'ai pas compris que c'était moi. J'ai regardé autour de moi les autres candidates avant de réaliser que c'était moi, la candidate numéro 7, et c'était moi, la nouvelle Miss Prestige, Miss Picardie 2017, pardon. Donc il y a eu les photos officielles, quelques événements, et voilà, je partais pour la nationale. Donc là, j'étais encore moins prête pour la nationale. Mais j'ai quand même profité de mon aventure. Pareil, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai appris beaucoup sur moi-même déjà. J'ai appris à sourire, à parler devant un public comme vous ce soir, aujourd'hui, pardon. Et j'ai rencontré énormément de monde. J'ai appris sur les régions de France grâce aux Miss. Donc vraiment, je ne regrette rien. Et dans mon cas, étant hôtesse de l'air, apprendre à sourire, apprendre à se tenir droite et à parler, c'est très important. On peut l'applaudir un petit peu quand même. Je voudrais remercier le comité Picard et l'association Mode et Élégance de me mettre en valeur depuis 2 ans, et en particulier ce soir avec cette élection voilà, qui va tourner autour du voyage. Je voudrais remercier Julie Legrand qui est en coulisses et qui nous aide à organiser les élections. Merci à toi Juliette pour tes chorégraphies. Donc voilà, Juliette, elle m'a dit ce soir, tu rends ta couronne. Je vais te mettre au centre de l'élection, donc merci à toi. Vous verrez tout à l'heure, mais pas d'inquiétude, je n'éclipse pas toutes les candidates. Les filles, je voudrais vous dire un petit mot. Voilà, profitez, amusez-vous, souriez et faites comme moi le soir de mon élection il y a 2 ans. C'est trop tôt, je vous l'ai dit, mais ça y est, je rends ma place. Et avant, je voudrais remercier tous mes proches, juste là, qui ont toujours été là pour me soutenir. Je vais sûrement verser ma petite larme ce soir. Donc, j'aurai besoin de vous encore. Je voudrais remercier ma famille, mes amis. Les filles, c'est très important d'être soutenues dans une aventure comme celle-ci. Je sais que vous l'êtes, donc vous avez beaucoup de chance. Tout comme moi, j'ai eu cette chance. Et enfin, j'ai parlé d'amis, mais il y en a une que je dois remercier. C'est elle qui m'a inscrite. Et oui, ces moments des pleurs, ça arrive tout le temps. On est sensible chez les Miss, on est une grande famille, donc il faut le vivre pour le comprendre. Donc on se connaissait à peine à ce moment-là. On avait défilé une seule fois ensemble, mais elle m'a appelée. Est-ce que tu es disponible le 12 novembre ? C'est dans un an, Angélique. Oui, je suis disponible. Ah, super, j'étais inscrite à l'élection Miss Prestige Picardie. Et depuis, on ne se quitte plus. Elle est toujours là. C'est ma meilleure amie, ma sweetie, ma grande sœur. Donc voilà, merci pour tout. Je vous souhaite à tous une très bonne élection. Les filles, éclatez-vous. Et un très bon vol. Alors Léana, tu vas pas partir comme ça puisque tu as quelque chose à nous montrer. Alors on attend. Suspense. Voici la couronne. Donc, la couronne de la future Miss Excellence Picardie 2019. Et je tiens à remercier les partenaires qui nous offrent cette magnifique couronne, Princesse de l'Extension et Tintinbel, normalement, qui doivent être dans la salle, je crois. Elles ne sont peut-être pas encore arrivées, mais en tout cas, nous pouvons les remercier. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Léana qui a participé pleinement à l'organisation des galas 2019. Chère Léana, garde ta fougue et ton enthousiasme, tu mets une tornade de fraîcheur.
Avant de retrouver les candidates en maillot de bain dans une nouvelle destination, il est temps de vous expliquer les modalités de vote et de vous présenter le jury. Vous avez tous reçu à l'entrée une brochure avec un bulletin de vote. D'ailleurs, on en profite pour remercier le magasin Topofi de Creil-Saint-Maximin qui nous offre gracieusement ses publications. Dans la brochure, vous retrouvez la présentation des candidates également. Donc, à l'entracte, vous devrez inscrire sur le bulletin de vote le numéro de la candidate que vous aurez préférée. Attention, vous ne pouvez en choisir qu'une et surtout pas de ratus, pas de petits motifs, juste le numéro, sinon le bulletin sera annulé. Vous déposerez votre bulletin dans l'urne vers l'entrée de la salle. Après l'entracte, le jury récolte les votes, fait le compte de voix de chaque candidate et choisit la Miss Excellence et ses dauphines parmi les 5 filles qui auront reçu le plus de votes. Alors n'oubliez pas de voter. Alors le jury qui aura la lourde tâche de choisir les gagnantes sera co-présidé par notre Miss Excellence 2019, Maëva Serra. Et nous nous faisons une joie de vous la présenter. Veuillez accueillir Maëva qui nous vient tout droit de la ville de Marseille. Alors Maëva, nous sommes vraiment très heureuses de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots au public Picard ? Donc bonjour à tous, donc, moi je suis Maëva Serra, j'ai été élue Miss Excellence France en janvier dernier. Je représentais la Provence à l'élection nationale de l'année dernière et je rendrai mon titre le 18 janvier prochain. Donc celle que vous allez élire aujourd'hui partira à Toulouse pour représenter la Picardie pour ma succession. Donc Maëva, parlez-nous un peu de ton année Miss. Donc si nous avons bien compris, le gala régional est le dernier, c'est bien cela ? Et déjà le dernier gala régional, j'ai commencé le Tour de France le 17 août dernier. Donc ça fait un petit moment que je suis sur les routes de France métropolitaine et outre-mer. Voilà, donc j'ai un petit pincement au cœur aujourd'hui, voilà, tous les week-ends sur la route et aujourd'hui c'est la fin. Eh bien, nous te remercions, Maëva. Nous vous demandons de faire un triomphe à notre Miss Excellence France 2019. Le jury sera co-présidé par le vice-président national et délégué régional Picard Marc Santerre. Donc nous souhaitons que des anciennes Miss issues des trois départements Picard soient membres du jury. Nous vous présentons donc Émilie Secret, maintenant Madame Hédin, l'Axonaise de Saint-Quentin qui est devenue Miss Prestige National en 2016. Émilie s'occupe maintenant des concours de Miss Excellence dans le Nord et Hauts-de-France et organise Miss Excellence Flandre et Artoineau. Elle nous a prêté les maillots de bain que vous pourrez admirer tout à l'heure pendant le passage Rio de Janeiro. Marie-Jo Furtado, conseillère municipale de Nogent-sur-Oise, Miss Oise et première dauphine de Miss Picardie 2001. Nous avons également au jury nos amis Asiba Eraya, la présidente de l'association Mode et Élégance. Aline Sauvé, notre glorieuse aînée Miss Lorraine et première dauphine de Miss France 1987. Le jury est également composé de généreux partenaires sans qui l'organisation n'aurait pas pu avoir lieu. Benoît Chalmel, le marchand de biens Century 21 et président des Idées de Liberté. Sébastien Delaporte, directeur du magasin Top Office de Creil-Saint-Maximin, malheureusement qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Malheureusement, mais on peut quand même le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Sana Ndiaye, PDG de NS Protection, qui nous assure la sécurité durant tout cet après-midi. Nous vous remercions tous chaleureusement pour votre participation et votre présence aujourd'hui. Et nous avons le bonheur et l'honneur de compter parmi nous une vedette de TF1 que vous avez déjà vue,
Mais donc, nous pouvons refaire un tonnerre d'applaudissements pour Pascal de Grand Frère. Merci infiniment pour ta participation. Nous allons maintenant vous présenter individuellement les 17 candidates en 3 groupes. Vous verrez des vidéoclips de présentation réalisés sur le magnifique marché de Noël d'Amiens. Et ces vidéos ont été réalisées par un vidéaste de Saint-Quentin que je tiens à remercier, Loïc Blondel. Suite au passage de ces vidéos, nous allons poser la question à chaque candidate. Et les candidates portent des robes de soirée du magasin Divine de Camon, qui a été partenaire également pour la, départementale de Missomme. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Justine Coin, j'ai 20 ans, je vis à Amiens. Je suis actuellement étudiante en 3e année de sciences de l'éducation, ayant pour ambition de devenir professeure des écoles à l'étranger. Cette voie m'est venue tout naturellement car grâce à mes parents, j'ai eu la chance de visiter de nombreux pays, ce qui m'a permis de découvrir diverses cultures. J'ai exercé la natation durant plusieurs années en compétition, mais aujourd'hui cela reste un loisir pour moi. J'ai vécu une soirée inoubliable le 16 novembre dernier en étant élue première dauphine de Miss Excellence Somme. C'est donc naturellement que mon chemin continue vers l'élection Miss Excellence Picardie. Notre région regorge d'endroits merveilleux, ce serait alors avec fierté que je les ferais découvrir durant l'élection nationale. Ce serait un honneur pour moi de représenter ma région. Mon naturel et ma joie de vivre me permettront de mener ce rôle à bien. Je m'appelle Cindy Kaufmann et je suis une jeune Uruguayenne de 22 ans. Je suis passionnée de sport, notamment le football que je pratique actuellement. J'ai également eu l'opportunité d'entraîner une équipe d'enfants au FC Chambly et de passer quelques diplômes. J'ai obtenu mon baccalauréat accompagnement soins et services à la personne à l'âge de 17 ans avec mention bien. Ce diplôme m'a permis de devenir auxiliaire de vie sociale auprès des personnes âgées dépendantes, des soins palliatifs, mais aussi des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. J'ai comme but d'entrer en école d'infirmière pour ensuite me spécialiser en infirmière de bloc opératoire. Bien que passionnée par mon métier, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une autre aventure, celle des Miss. Cela fait quelques semaines déjà que je suis dans cette aventure et j'ai la chance de pouvoir vivre cette expérience qui, je l'espère, me permettra de représenter fièrement la Picardie au concours national. Si je suis élue ce soir, j'aimerais utiliser ce titre contre la maltraitance animale, chose qui me tient particulièrement à cœur, et pour espérer y arriver, j'ai troqué ma paire de crampons contre une paire de talons aiguilles. Je m'appelle Margot Duvivier, j'ai 23 ans et j'habite à Lagny-le-Sec. Dans la vie, je suis agent d'escale aéroportuaire, ou autrement dit, hôtesse au sol. J'ai pour projet d'évoluer au sein de l'aérien en intégrant la douane aéroportuaire. Je suis passionnée par l'aviation, l'automobile et la musique. Ayant eu la chance d'être élue première dauphine Miss Excellençoise lors des élections départementales, ce serait un honneur pour moi de pouvoir maintenant représenter ma région et aller à la rencontre de sa population, tout en apprenant sur sa culture et son histoire. Je m'appelle Pauline Doublé, je suis âgée de 18 ans, je suis originaire de Foudoie et je suis actuellement en CAP Petite Enfance dans le but de devenir assistante maternelle en crèche. Je suis passionnée par l'équitation que je pratique depuis 8 ans. Je souhaite devenir Miss Excellence Picardie 2019 pour me redonner confiance en moi et démontrer mes capacités à m'adapter dans toute situation. Cela serait une occasion de pouvoir faire reconnaître le beau patrimoine de ma région. Je m'appelle Jennifer Smigovic, j'ai 17 ans. Et j'habite dans le magnifique département de l'Oise, en Picardie. J'étudie en terminale scientifique et j'aimerais me diriger par la suite vers des études de santé afin de devenir médecin au sein de l'armée. Je suis passionnée de sport depuis mon plus jeune âge, mais par-dessus tout, de basket. Cette passion m'a inculqué de nombreuses valeurs collectives, telles que l'entraide et la détermination. Aider les autres et faire preuve de générosité sont fondamentales pour moi. C'est pour ces raisons que j'ai participé pendant 2 ans à un camp de chantier bénévole consacré à la rénovation et à la restauration d'un patrimoine rural ainsi qu'à la protection de l'environnement. On dit de moi que je suis une personne bienveillante, impliquée dans ce que j'entreprends et haute en couleur.
D'ailleurs, aucune métisse n'a remporté l'écharpe de Miss Excellence Picardie. Ce serait donc pour moi une grande fierté de pouvoir promouvoir le métissage et la mixité culturelle de notre magnifique région. Je m'appelle Inès Le Carnascourt et je suis âgée de 17 ans. Je suis actuellement en terminale scientifique dans le but de devenir pédiatre. Je vis et fais ma scolarité dans l'Aisne et plus précisément dans la ville de Saint-Quentin. Depuis petite, je suis passionnée par les voyages, passion qui me vient de ma mère. J'ai eu de nombreuses fois la chance de découvrir et de parcourir le monde. Cela m'a donc permis de découvrir différentes cultures. Ce fut à chaque fois une expérience enrichissante. Je participe à l'élection Miss Excellence Picardie, car j'ai toujours été attirée et fascinée par ce milieu. C'est donc avec plaisir et honneur que je suis ici. Si je viens à être élue Miss Excellence Picardie, je représenterai avec fierté notre belle région au cours de l'année, mais également lors de l'élection nationale. Dans le monde, en particulier dans les pays qui sont sous-développés malheureusement. En France et en Europe, on a la chance d'aller à l'école en bus, en vélo, en voiture, avec tous les matériaux possibles. Donc c'est pour cela que j'aimerais que la scolarité soit ouverte à tous dans le monde. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Cindy Kaufmann, la candidate numéro 2. Cindy, que répondriez-vous à une personne qui critique le monde des Miss? Alors, cher public, cher jury, bonjour tout d'abord. Merci pour la question. Je commencerai par lui expliquer que c'est un choix d'être sur scène et de défiler. Que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de petites mains qui se démènent pour que ce soit parfait. Que derrière chaque femme, il y a une personnalité, un métier ou un diplôme en cours. Et c'est aussi, pour certaines, un défi personnel. Parce qu'il faut de la force et du courage pour être là, je peux vous le dire. Et je l'inviterai pour finir à participer à un gala. S'il vient apprécier, j'en serai ravie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, j'aurai essayé. Mais les goûts et les couleurs ne s'y discutent pas. Et je vais en profiter pour vous souhaiter une excellente fin d'après-midi et de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. La candidate numéro 3, Margot Duvivier. Alors Margot, qu'est-ce que pour toi le bonheur? Mesdames, messieurs et membres du jury, bonjour. Alors tout d'abord, je tenais à vous dire que cette question me renvoie 6 ans en arrière, car c'était mon sujet de bac de philosophie. Alors je vais essayer de me montrer autant convaincante face à vous aujourd'hui que lors de mon examen, parce que vu que le bonheur c'est une notion assez abstraite, c'est très compliqué de l'expliquer. Tout d'abord, je commencerai par dire que c'est un état émotionnel, un ressenti d'équilibre et de bien-être vécu par une personne qui pense avoir atteint la pleine satisfaction de ses désirs et de ses objectifs de vie qu'il juge importants. Le bonheur peut être décrit par la joie, la famille,
l'argent, l'épanouissement professionnel, etc. Le bonheur, c'est une notion qui est propre à chacun, qui est assez personnelle. Et pour finir, je dirais que d'être heureux, c'est le but ultime de chaque être humain. Merci beaucoup. Merci, Marco. Numéro 4, Pauline Doublé. Selon vous, Pauline, quelle est la plus grande qualité que doit posséder une Miss? Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux membres du jury. Pour moi, la plus grande qualité que doit posséder une Miss, c'est de rester authentique. Car en effet, devenir Miss Excellence Picardie ne doit pas modifier notre personnalité et doit nous permettre de rester naturelle auprès de vous tous. Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Je vais désormais vous présenter la candidate numéro 5, Jennifer Smigovic. À tous. Pour répondre à votre question, je vous dirai que j'aime aider, soutenir les autres. J'ai notamment participé au bénévolat pour le Téléthon lors de ma formation de jeune sapeur-pompier et j'ai également rendu visite à des maisons de santé auprès des personnes âgées en situation d'isolement. Aujourd'hui, je veux continuer de représenter une jeunesse active dans la vie de notre région. J'ai 17 ans et je fais partie des plus jeunes de cette aventure, mais je me sens tout de même forte et capable pour représenter la région où je suis née. Car je pense qu'être une Miss, c'est l'opportunité de devenir le symbole et le porte-parole de valeurs. Et voilà. Merci, Jennifer. Retour maintenant de la candidate numéro 6, Inès Leclerc-Mascourt. Inès, quels sont les points positifs que vous allez retenir de cette aventure? Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux membres du jury. Je dirais tout d'abord que cette expérience a été pour moi très positive. C'est une expérience enrichissante, une expérience avant tout humaine. J'ai en effet pu rencontrer de très belles personnes, passer de très bons moments et également nouer de nombreux liens. Je dirais également que cette expérience est inédite et extraordinaire, puisque je ne connaissais pas cet univers auparavant. Cet univers m'a beaucoup appris, et beaucoup appris sur moi-même. J'ai en effet désormais un peu plus confiance en moi, et plus d'assurance. Je tiens également à remercier toutes les candidates pour tous ces bons moments, mais aussi Juliette, Angélique et Léana pour leur soutien et leur conseils durant toute cette préparation. Bon après-midi à vous. De Miss Excellence, mais avant tout, nous allons vous diffuser un petit film de remerciements à nos généreux sponsors, sans qui, les trois galas départementaux et ce gala régional n'auraient pas pu avoir lieu.
Mesdames et messieurs, la température s'apprête à augmenter. Nous entrons dans une zone de turbulence. Pour votre sécurité, nous vous demandons d'attacher vos ceintures, car il est à présent temps de vous dévoiler notre tableau balnéaire. Bienvenue à Rio de Janeiro. Thank you.
magnifique en couleurs. On n'entend pas grand-chose quand même, hein, c'est limite. Je vous présente la candidate numéro 1, Justine Point. Elle est âgée de 20 ans, mesure 1m74 et habite Bray-sur-Somme. J'appelle la candidate numéro 2. Elle s'appelle Cindy Kaufman. Elle a 22 ans. Elle mesure 1m73 et habite Méru. C'est au tour de la candidate numéro 3 qui se nomme Margot Duvivier. Elle est âgée de 23 ans, mesure 1m73 et habite Lagny-le-Sec. La candidate numéro 4, elle s'appelle Pauline Doublé. Elle a 18 ans, elle mesure 1m71 et vient de Fouillois, dans la Somme. C'est au tour maintenant de la candidate numéro 5, Jennifer Smigovic. Elle a que 17 ans, mesure 1m71, elle est de Tiverny, tout près de Frey. Elle s'appelle Inès Leclerc-Massereau. Elle a également 17 ans, mesure 1m70 et vit à Saint-Quentin, dans l'Aisne. C'est au tour de la candidate numéro 7, Margot Warnier de Corby. Elle a 18 ans et mesure 1m69. Quem tá presente, as novinhas ali, se colocando e se joga pra gente. Aparece assim pra ela. Vai, vai com o bumbum. Voilà la candidate numéro 8, elle s'appelle Chloé Meunier. Elle a 20 ans, mesure 1m69. Chloé habite à Cuffy, près de Soissons. J'appelle maintenant la candidate numéro 9, Amandine Morel, qui vient de Haute-Fontaine. Elle a 20 ans et mesure 1m68. Je vous présente la 10e candidate. Elle s'appelle Clotilde Paxeux. Elle vient d'Amiens, mesure 1m69 et a 22 ans. C'est au tour de Camille Tumerel qui est la candidate numéro 11. Elle est âgée de 19 ans, mesure 1m69 et habite à Compiègne. La candidate numéro 12 s'appelle Stéphanie Touché. Elle vit à Chauny, dans l'Aisne, mesure 1m70 et elle a 20 ans. C'est au tour de la candidate numéro 13 qui est axonaise de Saint-Quentin. Elle s'appelle Léane Lemaire, elle vient d'avoir 18 ans et elle mesure 1m71. Voici Élise Raoult, candidate numéro 14. Elle a 21 ans, mesure 1m71 et nous vient de Grandvilliers, dans l'Oise normande. J'appelle maintenant Juliette Boucula, 19 ans, 1m72, elle arrive de Villers-Bretonneux, dans la Somme. La candidate numéro
française, s'appelle Charlotte Finot. Elle a 21 ans et mesure 1m73. Elle étudie à Amiens et ses originaires sont de Clermont de l'Oise. Candidate numéro 17. Elle nous vient du chemin des Dames, aux limites de la Marne. Johanna Dubois, 21 ans, elle mesure 1m74. Juliette, ici nous allons faire un tour près du jury. Maëva, comment trouves-tu nos candidates? Alors déjà, félicitations pour ces très beaux tableaux, pour ce petit tour du monde, c'est très agréable en ce dimanche. Les candidates, je les trouve très à l'aise sur scène, elles les vivent toutes très bien, quelques-unes sont déjà exprimées, très belles expressions, très belle allocution. Non, pour l'instant, le choix va être difficile. Merci Maëva. Et donc Pascal, toi qui diriges des centres de fitness tout près d'ici à Montaterre, tu les trouves fit, nos candidates? Je ne veux pas être méchant, mais il y a un petit peu de travail à fournir malgré tout. Non, mais il faut dire la vérité. Vous savez que je dis toujours la vérité. Elles sont toutes charmantes, elles sont toutes rayonnantes. Pour certaines, effectivement, il y a un petit peu de travail, sachant qu'elles sont très jeunes. Donc je suis inquiet pour la suite. Donc je les invite à venir dans ma salle de sport, je m'appuie en même temps. En tout cas pour la gagnante, sachez que pour la gagnante, j'offre un an, gratuitement un an d'entraînement au sein de ma salle de sport. Voilà. À mon avis, elle va souffrir. Merci beaucoup Pascal. Nous allons maintenant vous présenter le deuxième groupe des vidéos de la candidate numéro 7 à la candidate numéro 12. Nous voulons également remercier Florent Lelon, le régisseur, qui est là avec nous depuis le début, qui présente tous les galas. Merci Florent. Nous lançons maintenant les vidéos numéro 7 à 12. Je m'appelle Margot Warnier, j'ai 18 ans et j'habite à Corbie. Je suis actuellement en formation pour le CAP Accompagnement éducatif à la petite enfance et plus tard j'aimerais travailler auprès des jeunes enfants, un domaine qui me passionne. Devenir Miss Excellence Picardie serait une manière pour moi de me challenger et de pouvoir vivre une expérience inoubliable, mais avant tout, de pouvoir représenter comme il se doit ma région. Esthétique cosmétique parfumerie et actuellement en brevet professionnel en tant qu'apprenti dans l'Institut Secret de Beauté qui se trouve à Soissons. Une fois que mon brevet professionnel sera obtenu, j'ai pour projet de continuer et de poursuivre en BTS esthétique dans le but d'ouvrir mon propre institut de beauté. Plus jeune, j'ai fait 4 ans de gymnastique, cela m'a appris à soigner chacun de mes mouvements. Je suis maintenant inscrite dans une salle de sport. J'ai voulu participer au concours de Miss Excellence Picardie afin d'obtenir de la confiance en moi et également pour rendre ma famille et mes proches fiers de moi. Je m'appelle Amandine Morel, j'ai 20 ans. J'habite à Hautefontaine, un petit village qui se situe dans l'Oise, près du magnifique château de Pierrefonds. Je travaille sur Compiègne en tant que vendeuse dans le prêt-à-porter. Je pratique du fitness en salle de sport. Si je venais à être élue Miss Excellence Picardie, je souhaiterais mettre en avant la maladie d'endométriose. C'est une maladie très peu connue en France, pourtant une femme sur 10 est touchée. Il y a un an, on me l'a diagnostiquée après des années de douleurs sans connaître la raison. Aujourd'hui, j'ose en parler afin de faire connaître cette maladie et de pouvoir y remédier.
Je serai fière de représenter notre belle région lors de l'élection nationale. Je m'appelle Paxe Clotilde, j'ai 22 ans et j'habite la ville d'Amiens. Je travaille actuellement en tant qu'agent technique du service des assurés. Je suis passionnée par la danse, mais plus particulièrement la danse classique que j'ai pratiquée pendant 6 ans. J'aimerais devenir Miss Excellence Picardie afin de vous représenter pendant un an, mais aussi pour vous montrer ma motivation, ma détermination à ramener la couronne en Picardie le 18 janvier 2020 lors de l'élection Miss Excellence France. Si je suis élue aujourd'hui, ce serait pour moi l'opportunité de symboliser ma région avec de la joie, de la simplicité, de l'élégance, tout en restant très chaleureuse. Je m'appelle Camille Tumerel, j'ai 19 ans. Je viens de Compiègne et suis actuellement en deuxième année d'une licence d'économie. Je souhaite m'orienter ensuite vers le marketing, dans le domaine du luxe ou du sport. Le sport occupe d'ailleurs une place importante dans ma vie. Je pratique l'athlétisme depuis 10 ans. Cette discipline m'a apporté rigueur et détermination. J'ai pu représenter la Picardie lors de championnats en remportant des titres en saut en hauteur et lancer de marteau. Je suis attachée à l'histoire de notre pays et la mémoire est une cause qui me tient à cœur. C'est pourquoi je suis membre de l'UNADIF, une association qui rend hommage aux déportés de France. Être élue ce soir représenterait pour moi le début d'une expérience humaine, riche en rencontres et en partage. Et c'est avec une grande fierté que je véhiculerai l'image d'une jeunesse responsable, dynamique et impliquée dans la vie de notre belle région. La candidate numéro 7, Margot Guarnier. Alors, pour toi, Margot, quelle est ta destination rêvée et pourquoi? Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux membres du jury. Pour moi, la destination de rêve serait le Chili, pour sa culture très américaine et aussi pour ses paysages à couper le souffle. Pour les déserts, les montagnes, dont la cordillère des Andes, mais aussi pour son île de Pâques. J'ai eu la chance de partir en 2014 là-bas, donc pour moi, ce serait ma destination de rêve. Merci Margot. Merci Margot. Nous allons maintenant écouter la candidate numéro 8, Chloé Meunier. Chloé, quelle serait pour vous votre plus grande réussite ? Bonjour à tous, ma plus grande réussite serait à la fois personnelle et professionnelle parce que je souhaite m'épanouir autant personnellement que professionnellement. Réussir ma vie de famille est essentiel à mon bonheur, cependant, pour réussir, il faut un métier et autant que ça nous plaise. Merci. Je vous présente désormais la candidate numéro 9, Amandine Morel. Selon toi, quelle est la définition de la beauté? Bonjour à tous, j'espère que vous passez une belle après-midi. Pour moi, la beauté ne s'arrête pas des critères physiques. Elle se perçoit par des qualités, comme l'âme d'une personne, l'intelligence, la générosité, la sincérité. La beauté intérieure se reflète à l'extérieur. Chaque personne a sa beauté. On est tous beaux et belles aux yeux de quelqu'un. Merci. C'est au tour de la candidate numéro 10, Clotilde Paxeux. Clotilde, qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie et pourquoi ?
Bonjour à tous et à tous, bonjour membres du jury. Ce qui me fait avancer dans la vie, c'est ma famille, mes amis, mon avenir, me fixer des buts et d'atteindre des objectifs, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire dans le passé, en tirant que des bonnes choses. Merci à tous. Merci Gauthier. Je vous présente la candidate numéro 11, Camille Tumerel. Camille, qui est ton modèle dans la vie et pourquoi? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette question. Je pense qu'il est difficile de n'avoir qu'un seul modèle. Il y a des personnes que j'admire bien sûr, telles que Simone Veil pour son engagement politique pour le droit des femmes, mon arrière-grand-père qui a été résistant pendant la guerre pour son courage et sa force. Mais au quotidien, j'essaie de m'inspirer de toutes les personnes qui m'entourent. Nous avons toutes et tous des cultures, des origines et des parcours différents. Cette diversité est une richesse et chaque échange est une opportunité pour moi d'apprendre et de construire ma propre personnalité. Merci. De rêve, nous allons vous présenter les équipes de maquillage et de coiffure. Les coiffures et les maquillages des candidates ce matin ont été un véritable challenge. Il fallait coiffer et maquiller 17 candidates, et nous-mêmes, entre 9h et 11h. Le salon de Nogent-sur-Oise, Relook et moi, qui avait déjà assuré la coiffure lors de gala de Miss Excellence Oise, a répondu présent encore et aujourd'hui. Et nous les avons renforcés avec des professionnels au-delà de la grande région, Mezzo de Reims et Damien et Chloé du Val d'Oise. Nous souhaitons vous les présenter. Est-ce qu'elles sont là? Tout le monde est parti. Où ça? Ah, elles arrivent. Bah, vous pouvez nous rejoindre sur scène si vous êtes là. Non, elles veulent pas. Elles veulent pas. Vous pouvez les applaudir. Applaudissez-les. Elles sont timides. Idem donc pour les maquilleuses. Nous avons monté une équipe régionale pour réussir à maquiller tout le monde en si peu de temps. Les maquillages, pouvez-vous nous rejoindre sur scène? Alors nous allons vous demander de vous présenter, nous dire d'où vous venez. Bonjour à tous, alors je suis Quentin Sindelou, je viens de Creil, donc je suis juste à côté. Et c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui j'ai participé au maquillage des Miss. C'est une nouvelle expérience pour moi, et voilà. Merci. Alors bonjour à tous, alors moi je m'appelle Aïssa Tasso, j'ai 32 ans, pure creilloise. Je suis née à Creil, j'ai grandi à Creil, maman de 4 enfants. Donc je suis maquilleuse à mon compte et c'est avec plaisir que je vis cette belle expérience aujourd'hui. Et les candidates sont au top du top. Merci pour elles. Moi je m'appelle Amandine, le maquillage c'est une passion en fait.
Du coup, je suis venue d'un petit village d'à côté d'Amiens. Donc, c'est pas là pour d'à côté. Et je suis maman de 5 petites filles. Voilà. Oh là, il y a de quoi maquiller alors. Ouais. J'ai eu des jumelles aussi. Et voilà. Et c'était super bien pour la première fois. Donc, j'en reviendrai. Et ben, avec plaisir. On espère vous retrouver l'année prochaine. Donc nous remercions tous ces professionnels qui sont venus des quatre coins de la Picardie et même de plus loin un dimanche matin et bénévolement pour mettre en valeur la beauté de nos candidates. Vous pouvez les applaudir très très fort, ils le méritent vraiment. Il est temps, très chère Juliette, de reprendre l'avion pour une étape qui, à mon avis, restera dans les esprits. Un voyage en Europe, mais aussi dans le temps, à l'époque de Sissi l'impératrice. Donc, nous allons vous présenter les valses de Vienne. Mesdames et messieurs, pour votre confort, cet après-midi, la compagnie Air Excellence Picardie vous offre toutes sortes de divertissements, comme par exemple des cours de danse. Veuillez accueillir notre hôtesse de l'air, Maëva Serra, suivie des candidates pour une valse viennoise.
violonistes, ils ont le stress. Thank you.
Magnifique, et je voudrais remercier les musiciens du Quatuor à cordes de Paris. Vous pouvez les applaudir chaleureusement. Donc nous allons aussi donc vous présenter nos mannequins hommes. Donc j'appelle donc Lucas, Quentin et Cédric. Vous pouvez les applaudir. Les garçons. Donc vous allez dans quelques instants donc voter pour votre candidate préférée. La gagnante deviendra Miss Excellence Picardie et partira pour Toulouse nous représenter à la finale nationale. Notre délégué régional Marc Santerre est l'une des chevilles ouvrières du gala national et il est mieux placé que moi pour vous donner des détails. Anecdotique car il rentre en ligne de compte pour choisir les 12 finalistes. Le tirage au sort donne le numéro 19 à la future Miss Excellence Picardie. Donc nous vous demandons dès ce soir d'envoyer des SMS au 71 71 7, juste indiquer Excellence 19 et c'est comptabilisé. C'est aussi simple que ça. Nous allons maintenant lancer les dernières vidéos portraits des candidates de la numéro 12 à la numéro 17. Je m'appelle Stéphanie Touchet, j'ai 20 ans et j'habite à Chauny dans l'Aisne. Je suis actuellement en deuxième année de brevet professionnel de préparateur en pharmacie afin d'obtenir mon diplôme cette année. Depuis l'âge de 12 ans, ma plus grande passion est la danse, mais j'aime également lire et me cultiver sans cesse. Je me suis inscrite à ce concours en me disant « pourquoi pas moi ?» et j'ai eu le privilège d'obtenir la place de deuxième dauphine de Miss Excellence M 2019. Alors aujourd'hui, je tente ma chance devant vous tous pour le titre de Miss Excellence Picardie 2019. Ce serait un honneur pour moi de pouvoir vous représenter. Je m'appelle Léane Lemaire, j'ai 18 ans. Je suis en terminale STMG au lycée Pierre de la Ramée à Saint-Quentin. J'ai été élue Miss Excellence N 2019.
Plus tard, j'aimerais intégrer une école de commerce internationale. Si je suis élue, je serai fière de porter l'écharpe et de représenter la Picardie. J'ai 21 ans et je viens de Grandvilliers dans l'Oise. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai à la base une formation en hôtellerie-restauration gastronomique et à présent j'étudie l'art dramatique et la danse au conservatoire. J'ai toujours été passionnée par le cinéma, le théâtre, la danse et la musique. J'aime lire, rire et découvrir. Je participe au concours de Miss Excellence Picardie car je suis véritablement attachée à ma région. Et je serai très fière d'en devenir la nouvelle ambassadrice afin de porter avec élégance les couleurs picardes. Je voudrais profiter de mon titre, si je suis élue, pour continuer à lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. J'aime beaucoup le contact avec les gens et suis déterminée à représenter tous les habitants de notre belle région, y compris ceux de communes rurales. Si vous me choisissez, je vous promets un festival de sourires et de gentillesse et de ne jamais vous décevoir. Je m'appelle Juliette Boucula, j'ai 19 ans et je réside à Villers-Bretonneux. Je suis actuellement à la fin de ma formation d'aide-soignante et je voudrais devenir infirmière par la suite. Je suis heureuse aujourd'hui de participer à Miss Excellence Picardie 2019 afin de vivre encore une superbe aventure humaine et très enrichissante. J'aimerais devenir Miss Excellence Picardie 2019 pour prendre confiance en moi, pour représenter dignement ma région, mais aussi pour rendre fière ma famille et mes amis qui m'accompagnent toujours dans ma vie. Je m'appelle Charlotte Finot, j'ai 21 ans et je vis à Poulainville, un petit village dans le nord d'Amiens. Je suis actuellement en troisième année de licence en langue étrangère appliquée à l'Université d'Amiens, où j'étudie l'anglais, l'italien et le catalan. Un master suivra cette licence pour que je puisse enseigner le français à l'étranger. Parallèlement à mes études, je fais beaucoup de sport, ce qui me permet de me dépasser et de prendre davantage confiance en moi. Je pratique aussi différentes danses comme le rock à six temps, la salsa, le cha-cha et la bachata. J'aimerais devenir Miss Excellence Picardie 2019, car depuis que j'ai découvert cet univers, je n'ai qu'une seule envie. Aller le plus loin possible tout en vivant ces merveilleux moments avec vous et d'aller à votre rencontre. Si vous faites de mon rêve une réalité, je vous promets de mettre toute mon énergie, mon cœur et ma détermination pour vous représenter au mieux au cours de l'année et de défendre les belles couleurs de la Picardie en janvier prochain. Je m'appelle Joanna Dubois, j'ai 21 ans, je réside à Sainte-Croix, une petite commune située à côté de Laon. Je suis actuellement en deuxième année de DUT carrière juridique afin d'intégrer une licence 3 en criminologie et de rentrer à la brigade des mineurs. À côté de tout ça, je suis une personne souriante et dynamique, je suis passionnée par le sport et le mannequinat. Me présenter devant vous aujourd'hui est une manière de s'accepter tel que l'on est et de montrer qu'il n'y a pas que la beauté qui compte, mais également l'intelligence. Pour ma part, toutes les femmes doivent se sentir belles et s'aimer telles qu'elles sont. Alors si je suis élue aujourd'hui, ce sera un honneur pour moi de vous représenter lors de l'élection de Miss Excellence France, mais également tout au long de cette année, dans la générosité, la joie et bien sûr la bonne humeur. Un atout ou pas? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette question.
Avoir un physique avantageux est-il un atout pour moi? J'y répondrai que, de nos jours, dans la société, on est tous obligatoirement jugés par notre physique. Vous pouvez l'applaudir. C'est pour cela que je pense que le meilleur atout que nous puissions avoir est la beauté intérieure, car une belle personnalité, c'est se rendre inoubliable. Et je finirai par ces quelques mots de Coco Chanel qui disait que la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Bonne soirée, enfin bon après-midi à tous. Je vous présente la candidate numéro 13, Léane Lemaire. Alors Léane, selon vous, le chiffre 13 est-il un porte-bonheur ou pas? Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux membres du jury, merci pour cette question. Personnellement, je ne suis pas superstitieuse. S'il y a un événement qui doit se passer, que ce soit en positif comme en négatif, pour moi, le nombre 13, n'y changera absolument rien. Pour moi, chaque personne est libre de croire en ce qu'il veut. Merci à tous, passez un agréable moment. C'est au tour maintenant de la candidate numéro 14, Élise Raoult. Élise, vivre le moment présent, est-ce votre philosophie ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, membres du jury. Pour moi, vivre le moment présent, est une philosophie et j'essaye de le faire le plus souvent possible. Car dans notre société qui va de plus en plus vite, il faut s'efforcer de profiter du moment présent et de chaque instant. D'ailleurs, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je profite pleinement de cet après-midi de gala et que j'emmagasine beaucoup de moments heureux. Et comme le dit la citation Carpe Diem, il faut profiter de notre vie et de chaque instant. Merci à tous. Je vous présente la candidate numéro 15, Juliette Boucula. Alors, Juliette, penses-tu avoir un sixième sens ? Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux membres du jury. Donc oui, je pense avoir un sixième sens, car toute ma vie, ou presque, est réglée sur mon intuition. C'est aujourd'hui devant vous que je me présente. Mon choix de carrière professionnelle, mes relations amicales et sociales, entre autres, en découlent. C'est pour cela que parfois, il me semble vivre le script d'un film. Je passerai peut-être à côté de petites folies des jeunes de mon âge, mais je ne regretterai jamais rien, j'assumerai toujours mon choix. Bon après-midi et profitez bien. Merci Juliette. C'est au tour de la candidate numéro 16, Charlotte Finot. Charlotte, selon vous, avec quoi rime le mot « liberté » ? Bonjour mesdames et messieurs, bonjour aux membres du jury. À mes yeux, le mot « liberté » rime avec la liberté d'être une femme, moderne, indépendante, libre de vivre comme elle l'entend, libre de dire non. Aujourd'hui, je crois en l'égalité homme-femme. Je suis très fière d'être candidate à l'élection de Miss Excellence Picardie et d'avoir la liberté de prendre la parole devant vous. Sans des personnalités comme Simone Veil ou encore Georges Sand qui ont défendu nos droits, je n'aurais pas la liberté de défiler en maillot de bain devant vous ou de vivre ma vie à ma manière sans être jugée. Car être libre, c'est avant tout être soi, être en accord avec ses valeurs et surtout respecter celles des autres. Car quand on se sent libre, on a beaucoup plus de bienveillance envers les autres. Cet après-midi, vous avez la liberté de choisir, vous avez la liberté de voter pour votre nouvelle ambassadrice. Et quoi qu'il arrive,
votre choix, je le respecterai. Merci de votre écoute et je vous souhaite de passer une très belle fin d'après-midi. Numéro 17, Johanna Dubois. Johanna, es-tu plutôt une demoiselle des villes ou de la campagne et pourquoi? Bonsoir à tous, membres du jury. Alors, ayant grandi à la campagne et étant en études en ville, je me qualifierais d'une personne plutôt rurale, déjà par leur beau paysage, la tranquillité, l'air pur, ainsi que la convivialité des habitants. Et pour finir, je préfère dire ne jamais oublier d'où l'on vient. Merci. Et entendre nos candidates répondre individuellement aux questions. Vous les avez vues en maillot de bain, vous les avez vues en tenue de soirée indienne et également en robe de mariée. Maintenant, je pense que vous pouvez enfin faire votre choix. Pendant la tracte, vous votez et vous pouvez vous désaltérer ou grignoter chez nos amis du restaurant Le Brooklyn qui tiennent la buvette restauration. Après l'entracte, nous reprendrons l'avion des Miss Excellence Picardie pour des destinations de rêve. À tout à l'heure.